Grand Lille TV et dans le reste de cette édition. On s'intéresse à présent à cette innovation en textile d'une entreprise tourquenoise, des vêtements anti-démangeaison pour lutter notamment contre certaines maladies de peau comme le psoriasis ou l'eczéma atopique. Le principe, c'est que ces vêtements contiennent 95% de coton et surtout 5% d'argent, ce qui va permettre de soulager les démangeaisons, car l'argent posséderait en effet certaines propriétés capables de calmer les inflammations. Françoise Raverdy a travaillé pendant 4 ans au développement de ce produit et souhaite maintenant obtenir la certification CE pour pouvoir être distribué en pharmacie. Notez qu'il s'agit surtout de vêtements de confort, de pyjama par exemple, pour la nuit, pour retrouver un bon sommeil. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. L'objectif quand même de l'entreprise, c'est de finaliser son essai clinique de façon à ce qu'on puisse avoir le marquage CE. Et comme ça, ça nous permettra d'être dans toutes les officines et de bénéficier du conseil du pharmacien. Ils sont énormément sollicités par des parents ou par des adultes qui souffrent de ces problèmes.